faut. Venez, madame. Oui. Ici, madame. Ici. Il y a de l'écran. Ouais. Oui. À voter. Ah, il faudrait quelqu'un d'autre. Monsieur le maire, vous recomptez? C'est vous. Ces deux-là, c'est bon. Chaque minute. Je suis ravie de mon score, c'est un très beau score. Et ce que je peux voir, c'est que dimanche prochain, je peux être maire de Poitiers, nous pouvons battre la gauche, Alain Claës, qui détient la mairie depuis 37 ans à Poitiers. Donc j'appelle vraiment toute la droite et le centre à se rassembler, parce que demain, ce score est possible, demain, nous pouvons vraiment emporter la ville de Poitiers. Donc en tout cas, bon, voilà. Donc on a fait plus de 15%, notre objectif était de 15, donc c'est bien, on a réussi. On a offert une alternative à gauche écologiste au Poitevin. Ils ont dit ok, bingo, donc c'est bien. Par contre, il y a quelque chose qui est super inquiétant, c'est le score du Front National qui est autour de 12%. C'est un score qui est très honorable puisque nous avons fait 12%. C'est vrai que 12%, c'est énorme sur Poitiers. Poitiers est une ville quand même socialiste depuis 40 ans. Alors, se maintenir au second tour, pour nous déjà, c'est un exploit. Voilà, c'est un exploit et ça, c'est extrêmement important.